Allez, c'est parti pour 10 minutes de chauffe. Alors, je vais expliquer un petit peu ce que c'est. Je vais marquer les notes parce que je vais pas y retenir. Donc, je travaillais plutôt en pourcentage de FTP. Donc, il y en a qui m'ont plus content. Je vais scamper tout ça après, vous inquiétez pas. Donc alors, vous allez faire une période de chauffe de 10 minutes, faire quelques petits sprints, monter en watts, rien de bien méchant, sera juste des petites 30 secondes, manière de bien faire monter la pompe. Et après, on va enchaîner donc avec 3 fois 5 minutes. Dans les 5 minutes, c'est à 95% de votre FTP. Et à la fin de cette 5 minutes, pendant 30 secondes, c'est là que ça pique. Je tiens à le dire. C'est que on va commencer 30 secondes à 100% de votre FTP pour finir à 150% de ta FTP. Tu comprends que les dernières, ça fait mal. Donc ça, 3 fois 5 minutes. Entre, on a 2,30 de récup. Et après, nous allons faire donc 2 séances. Donc pareil, 5 fois 30-30, première 30 secondes, donc à 130% de ta FTP, avec une récup de 70% de ta FTP. 5 fois, ça, tu as mis déjà les 5 minutes avant, tu commences à crier famine. Et pour finir, bah ouais gros, c'est pas fini, eh Kono, tu crois quoi? Donc on va repartir 5 fois 30-30, sauf que là, 30 secondes à 140% de ta FTP, donc là ça va commencer à causer, avec ensuite 60% de FTP en récup, et on finira avec 10 minutes de récup. Alors comme ça sur le papier, tu vois, facile, donc, je peux te dire que le dernier 5 minutes, quand il faut que tu montes à 150% de ta FTP, ça fait balèze. Donc vous verrez donc la vidéo, donc là je suis sur un, ceux qui écoutent YouTube, je suis en live aussi de l'autre côté sur Facebook. Donc quand vous verrez, ouais Cédric, t'inquiète pas, la vidéo tu l'auras, je peux pas tout mettre sinon ça bug. Vous reverrez la vidéo en direct sur, je l'enregistre sur YouTube. Donc par exemple, tu vois, Cédric, j'ai dit Cédric Kono, on l'entendra sur la vidéo YouTube. Voilà. Tu dis à la fin, oui, Steph, tu dépasses. Tu es vraiment à ta PMA, oui. Tu frôles. Mais tu es, ouais, dedans presque. Allez, 4,30. Je vais prendre, je sais pas si je peux choper. La serviette. Attends, je décroche. Je garde une tête. Ah, ça fait marseillais comme ça, non? Ça fait corse. Tu veux pas que ça fait corse? Allez, reste un peu moins. De 5 minutes, donc là ensuite je vais attaquer 30 secondes à 230 watts, 30 secondes juste manière pour faire monter la pompe, et avec une récup de 190 watts à peu près. Vous voyez, c'est pas,
Donc ma FTP est de 290 watts sur Zwift. Dans le réel, j'en suis loin. C'est pour ça que je monte, je préfère rester comme ça. Parce que si vraiment je mets ma vraie FTP que me donne mon Garmin, je me fais chier un peu quoi. Sur Zwift, hein. C'est pas l'entraîneur haut de gamme que j'ai. Donc je reste comme ça. Christophe. Ah, je vais partir en couille. Cet exo vient d'où? Dans ton cul. Il vient de quelque part. Il vient du monde de Odin. Voilà mon ami. T'inquiète pas, il pique. Donc c'est très bien pour travailler le seuil quand t'as pas le temps. Je dis que le seuil je travaillerai en faisant des courses, mais bon, j'essaie d'en faire une semaine. J'ai un peu rien trop branlé, tu vois, cette semaine, c'est enfin, une semaine dernière du moins. Je crois que je vais un petit peu décaler, rajouter 15 jours ma séance de seuil, que je suis pas les chocolats et tout, tu es mon biais, ça déconne, atroce. Allez, 2,45. Donc tu ne vas pas faire ta 90 tours. Alors il y aura aussi des fréquences de pédalage à respecter. Mais majoritairement sur le temps autour de 80-90%. Je suis à 1% moi, 90 tours, fréquence de pédalage. Allez, on arrive à 2 minutes de chauffe. On va commencer à arriver dans le monde d'Odin. Oh, Chris, ça va faire mal. Oui, il fait mal. C'est pas les tout premiers trucs qui font mal. C'est pas les premières 5 minutes. C'est le après quoi. Parce que le tout premier, je serai donc pendant 5 minutes, je serai à 275 watts pendant 5 minutes. Et après, donc, il y a ces fameux 30 secondes avec une accélération progressive. Tu passes à ta FTP, donc 100%, finir à 150%. Dire que les dernières 10 secondes, ça merde, ça fait mal. Allez, on est à moins d'une minute de chauffe. On va commencer à enquiller. De là, je vais faire 30 secondes à 230 watts. De là, c'est juste une manière de faire quelques petits intervalles pour faire monter la pompe. Parce qu'après, si tu fais pas bien chauffer le moteur, ça risque de pas le faire. Allez, j'y arrive. On descend. Allez, 230 watts. 30 secondes. Je suis tout à droite là. Donc ça va. Hein. Là, c'est pas.
faut rester, essayer de rester aux alentours de 90 tours de pédale, bien entendu. Allez, on descend, on coupe. Les amis, là, ça commence à chauffer. J'ai un Tax Vortex loin d'être des meilleurs. Ce que je fais, bien simplement, assez. Allez, tout à l'heure on était à 230, on va passer à 260 watts. Ouais, je crois que tu as raison. Allez, 260 watts. Essayez de tourner la papate à 90 tours. Voilà, on est plein, on est bien là. Ouh, qu'on est bien. Hop là, on récupère. Dans les 30 secondes, on va monter au fur et à mesure. Donc on a commencé à 230 watts, 260. Le prochain, 305 watts. Là. Je vais finir la gueule en travers, les amis. Ouais, je mettrai le fichier. Ouais. Je mettrai le fichier Zoo dans le fichier Zwift sur la page Facebook. Allez, on passe à 305 watts, les amis. Attention. Allez, récup. Après, on va passer à 275 watts. Les fameux 5 minutes. Allez, là, on va commencer. Pensez à bien boire. Boisson isotonique. Calme-toi, garçon. J'espère pouvoir le finir parce que ce matin, j'ai fait une séance un peu de PPG sur les pulses. Là, je suis à 150 en plus. Je suis à I3. Voilà, je récupère. Hein. Mais après, je suis dans le seuil. 5 minutes là, je suis dans le seuil après. C'est pour ça de faire cet exo avec un cardio. C'est compliqué quoi. Allez les amis, on va attaquer. Les 5 minutes. Ah.
à 95%. Allez, Rakex, il faut qu'on reste aux alentours de 90 tours. Allez, c'est parti. Allez, 95. 95 tours, 275 watts, 5 minutes. On est parti. Ouais, mais je sais, c'est fait exprès. Vous rigolez, mais le bandeau, c'est hyper efficace. Ce qui transpire beaucoup. Allez, 3, 3,40. Je reste. Allez, on tient. Allez, toujours 275 watts. 95 tours. Allez, attention à la fin, 5 minutes et on passe à 30 secondes avec la rampe. On va commencer à 100% FTP, on finira à 150, donc là, ça pique. Allez, on voit le halo. Allez, on y arrive. Allez,
6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez. De 195 watts. Pour 128 watts. Ok, je fais quoi comme exo? Je m'amuse. Je fais un exo. Le Big Bang. Pas Gang Bang. Comme tu veux. Travaille ton seuil, l'ami. Je vais lui mettre le ventilo. Inspiration qui sent le foie gras, allez. Et on descend, je suis trop haut. Allez, on va repartir. À nouveau, 5 minutes, 275 watts. Je bois pas, si j'ai bu déjà mon ami. T'as pas bu? Allez, on est reparti. 5 minutes, 275 watts. Je suis à 290 de FTP moi. Allez, on est reparti. 275 watts à 95 tours. Bon, moi je suis sur le 12, sur la cassette. Allez, on tient. Ouais, mais c'est attention, hein. C'est ma FTP sur Zwift. Hein. La réelle, c'est. Je crois que je suis à 235, on me connaît comme ça. Allez, 3D.
Allez, on tient. Allez, on tient. Ouais, Chris, tu nous diras. Allez, une vis. Allez, attention, on va attaquer l'accélération. Ah, ça va faire mal. watts. 100 tours. Allez, 360 watts. Allez, récup. Rien, Chris. Normal, merci. On fait 3 blocs. Je mettrai tout ça sur la chaîne YouTube. N'inquiète pas, l'ami. Allez, on va passer au dernier bloc de 5 minutes plus rampe. Et après, on va rentrer dans les fameux 30-30. On vous rappelle. Donc 5 fois 30-30, 30 secondes à 375 watts. Ça fait long. Récup à 210 watts.
3 minutes donc de récup. Et en enchaînant au niveau 5 fois 3, 30, 30. Là par contre c'est 30 secondes à 405 watts. Là, je vous dirais que celui-là, 400 watts 30 secondes, la conne, c'est long. C'est très long. Allez. Le dernier 5 minutes et on repart. Allez. On est reparti. Le truc qui est pas évident à tenir, c'est les watts et vous soutenir la cadence quand de pédalage. Et de 50. Allez, on tient. Allez, 1,40. On tient. Allez, 1 minute.
Exact. Sport à la con. Allez, 10 secondes. Allez, 296 watts. Ah, vous dites, la rampe est mortelle. Bien sûr, faire cet exo à son FTP, pas la mienne. Hein. Il y en a qui seront beaucoup plus haut, d'autres beaucoup plus bas. Ne calquez pas. Ça va, j'ai chaud surtout. J'ai pris 20 kilos. Je pensais pas avoir chaud. Je fais 6 dans le garage. Derrière moi, il me nargue. Je sais pas si je vais pas le mettre. Parce qu'après, les 30-30, mettre. Je fais que ça, je fais que appuyer, voilà. Allez, une 30 de récup. Et donc ensuite donc on va passer donc 5 fois 30-30. Là par contre ça va kick out. Dans les 30 premières secondes, je serai à 130% de ma FTP. Récup 30 secondes à 70. Donc ça 5 fois. 3 minutes de récup. Et on repart pour 5 fois 30-30. Là par contre 30 secondes à 140% de ma FTP. Et un récup de 60%. Qui correspond donc à la première série 30 secondes à 375 watts de 210 de récup, mais la seconde c'est 30 secondes à 405 watts. Là, alors là, Liliane, comme dirait Thérèse à Pierre, je suis ravi. Allez, on est parti. 7 secondes. Ouh, qu'il est. 375 watts. C'est parti. Récup de 110 watts. Salut l'eau. Bon, Ludo, t'as fait Jean-Claude Duss ce matin. Allez, attention, 5 secondes. On repart. Allez. 375 watts.
Allez, hop. Comme Manon. Allez, mission, on repart. Chaud. Allez. On est reparti. Allez. Allez. Eric. Allez. Allez, c'est mal. Allons, une heure. Oh. Allez, on va attaquer le dernier 30-30. 405 watts, 30 secondes. Et même le mando, je sais pas d'avoir la transpiration dans la gueule. Je vous garantis cet exo, les amis. Il est
du level. Allez, une minute et on va enchaîner donc avec 5 30 30, 405 watts. Donc là ça va faire mal. Ça arrive à la fin. Allez, le halo, le dernier halo d'Odin au fond là-bas. Allez, ce sont les 5 derniers. Let's go. Récup. Allez, un de fait. Allez, plus que 4. Allez, on est reparti. Oh putain. Allez les gars. Ah, je suis mort. Plus que deux.
qui me fait là. Oh putain! Oh putain! Crois pas! Ça a bugué! Ça a fini! Dernière buguée. Ouais, c'est bon. Ah putain. Là, j'ai un traîneur car, wow. Il est resté verrouillé. Dernier en plus, t'as compris quoi. Ah, c'est pas grave. C'est clair. Et en plus, ce matin, j'ai travaillé les jambes. Alors, en plus, j'ai tenu. Oui, je suis mort les amis, quand même, je tiens à vous dire. Donc voilà. Je suis le dernier que lui. Ah, je suis mort. Je vous dis les gars, il est la fin là, elle est terrible. Je vous mens pas, hein. Vous voyez ma gueule. Donc vous serez prévenus. Vous allez voir que c'est les blocs de 5 minutes. Ça va. Bon, ça, on sait tous faire, on a l'habitude. De quoi? Je vous refais le dernier raté. De la gueule. On prend un truc. Allez, je te fais le dernier raté si tu veux. Pour moi, Steph. Attends. Allez. Ah ouais, mais l'homme connerie. Tu bloques pas. Je suis à 400 watts. Ah, il n'y a pas de résistance. Qu'est-ce que vous faites pas faire, les gars? Vous allez me crever. Aïe, aïe. Eh ben. Donc comme je disais, avant que Steph nous propose son défi, voilà, les 3 fois 5 minutes, c'est pas ça qui te crame. On a l'habitude de rouler 5 minutes au seuil, ça va. Ce sont surtout les deux derniers, les 2 fois 30-30. Ceux-là par contre, là tu vois, si tu as... T'as les cannes ou pas quoi? Le dernier à 405 watts, c'est quand même 30 watts de plus que le premier. 30 watts, c'est quand même pas mal. Pas les cannes à main ce soir. Ah non. Ah, c'est un exo qui est très bien. Que cet exo, il te faut un capteur de puissance ou un entraîneur connecté. Enfin bref,
au cardio, c'est impossible à faire. Je ne peux pas le faire. Au cardio, je suis monté à 180. Ma PMA est de 185, les gars. Donc, tu vois. Donc voilà, bon allez, je vous laisse tranquille. Ciao ciao. Personne. Donc vous avez vu un peu mon nouveau vélo futur. Qu'est-ce que vous avez pensé? Dites-moi viteuf dans vos commentaires. Donc oui, ça sera une origine GTR Evo. Allez Steph, bonne douche, mangiaille et Netflix. Allez amis, ciao ciao, et que le cul vous pèle, le mien il est mort. Allez bise, ciao.
J'en peux plus. J'en peux plus. Oh. Je vais dormir comme une masse.